It ain't about the coolest job. It's about having fun. And love the ones that make you shine. You, it's all about you. No matter what the others say. But now I'm down talking the lights on me. I tell you I guarantee this night's about to take a turn. Yeah. Stepping in the spot like she own it.
our fake friends. And screw your ex, it's such a flake. Yeah. Stepping in the spotlight, she own it. Looking like the world is your runway. She can set it off like a gunplay, oh my. Yeah. Talk of the city with that body.
Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du Multigaming. Comme vous pouvez voir, vous avez un match qui est prévu là ce soir à 19h. Ce sera la AZP Esport avec Ninoan, agence Esport, justement l'équipe en face directement. On va faire la présentation directement. Alors, on va passer pour l'équipe, comme vous pouvez voir là, cette division, hein, c'est l'équipe de la Major B, hein, comme vous pouvez voir, hein, les teams qui vont s'affronter hein, pendant cette phase division. Hein, il y a des bonnes équipes, hein, comme vous pouvez voir sur Major B, hein, des équipes affrontées. Là, on va passer sur cette line-up. Alors, la line-up du côté de AZ Esport, avec Arcane et Asichu. Et Entra, ça c'est l'équipe de AZB Esport. Hein. Je fais le temps de la présentation, le temps qu'ils rejoignent le lobby et puis que la personne du côté de Niwan qui a cet ennemi. Et là, on en est passé sur la team Inwan, agence Esport, hein, comme vous pouvez voir, Bosco et Kelas. Et là, on va voir le classement actuel de cette poule Major B. Hein, comme vous pouvez voir, il y a des matchs qui ont été joués à points. Hein, ben là, tout simplement, on va passer à la face de cette map. Là, je sais pas pourquoi, il y a eu un bug sûrement sur le site. On joue sur la map chalet hein, en défense. Hein, je préfère le dire en cas où. Et justement, ce sera en défense du côté de AZB Esport. Qui commencera et le Niwad qui partira sur de l'attaque directement. Alors, on va aller voir directement, on va mettre la musique, on va voir s'ils vont rejoindre.
Bah voilà, ils ont tous rejoint. Je dirais merci à Zavé. Alors, on va demander si c'est bon, si sont go. Allez, c'est parti, on y va. La partie est lancée. Bonne chance à tous, que le meilleur gagne. Et allez, on est parti. Azabé Esport qui affronte le Nidwan Esport. Et là, on va partir sur l'exclusion des agents. Et on va commencer pour cette attaque du côté de Azabé. Azabé. Allez, prenez la prédiction pour gagner des points de chaîne. Allez, qui c'est qui va gagner sur B1? N'oublie pas qu'on se retrouvera tout à l'heure à 21h et 22h. Hein. C'est le casse de la soirée. Allez, Dokibi qu'on ne jouera pas sur cette map chalet. Là, on va passer sur le deuxième agent de cette attaque du côté de Nidwan Esport. Alors, j'ai pas eu. Il n'y avait pas de place pour mettre Espoir. J'aurais dû peut-être mettre Espoir. Ah, tant pis. Il n'y avait pas de place. Allez, Ozo qui était ban. Allez, on est parti sur ce troisième agent qui va être exclu. Nidwan. Quel agent qui va être ban pour cette map chalet? De toute façon, on démarre sur un défense du côté de AZP Esport. J'ai mal à la gorge là. Allez, Solis, qu'on jouera pas. Allez, le dernier agent qui va être exclu du côté de AZP de cette défense. Quel agent qui va être ban? Goyo, qu'on ne jouera pas. Voilà, la phase d'exclusion est terminée. Maintenant, on va passer sur cette manche 1. Et on va partir sur un BP du côté de AZP. Et on va partir sur champ principal bureau. Et cette compo avec Valkyrie Echo, Azami Jacker et Kaïd. Et de côté de Nidwan avec Lion, As, H, Bravo, Yano. Et on va commencer sur cette première manche. On va voir comment ça va se passer entre les deux de chaque équipe. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Allez, on va commencer par rapport à ça directement. Ils sont en train de se mettre en place du côté de AZP. On va voir comment ils vont essayer de reprendre ce magnifique BP du côté de Nidwan. On va voir s'ils sont très chauds. Si vous voulez le Discord de la Divine, hein, il est sur ma bio. Vous pouvez. Cliquez sur le lien directement si vous voulez contact avec la Devil. Allez, on est parti avec Yano qui se met en position, qui vient de détruire la caméra. Allez, une petite opérage. Allez, détection, ça rentre dans la caméra directement. Cette première manche, on voit comment ça va se passer directement. Pinwin, Spooky, là on est passé en 5v4, ça donne avantage encore du côté de AZP. Allez, ça dans la formation, on va essayer de commencer ça y est d'entrer petit à petit cette surface. Lyon qui a bien joué, qu'est-ce que tu fais pour Jacker? Là on est passé en 4v4.
sent l'information qui peut être donnée. Merci pour votre follow, prenez place. Allez, on va commencer à ce moment. Directement, attention. Pété. 4v3, Zola qui a fait juste ce magnifique kill. Sur la formation, c'est dommage. Et en plus, qu'il avait passé juste devant devant ses yeux. Allez, on est passé en 4v4. Peut-être bien joué. Et non, 3v2. Ouh, ça fait très mal. Ça fait très mal. Allez. Wakiri qui a fait le creep. Allez, Arken qui se retrouve tout seul. Ça va être compliqué pour lui avec le. Ah, le C4 qui a été mal lancé. Il a dû attendre. Peut-être l'information qui va être passée. Attention, il sait qu'il est là. Qu'il va peut-être essayer de chercher. Parce que, voilà l'information. Et non, la Nidoine remporte cette première manche. Et on va partir sur un 1-0. Allez, on continue pour cette deuxième manche. Et on va partir encore BP, chambre principale, bureau, avec Valkyrie, Echo, Azami, Jacker et Kaïd. Et du côté de la Nidoine, avec Lion, Ash, Brava et Yana. Merci pour votre follow. Prenez place. C'est l'heure de l'apéro. Sentez les cacahuètes. Je suis mort, j'en sais plus, mais... Mur prêt. Allez, on va se mettre en position directement. Nouvelle caméra active. Il reste 10 secondes. Que 5 secondes avant l'insertion. Fortification du mur terminée. L'objectif d'Alpha est de localiser et de désarmer une bombe. Allez, on est parti. On va voir du côté du Yano. La caméra. Pour éviter d'avoir cette information de leur vie. Les pingouins qui vont se monter. Zola qui a été chercher ce magnifique kill, qui a su faire tomber Valkyrie. Là on est passé en 5v4. Yano qui se met en position directement. Allez, on va faire un tour de l'autre côté, peut-être avoir cette information. Allez, peut-être le contact qui va essayer de prendre la formation, il sait pas qu'il est là. Ah voilà, maintenant il est c'est 5v3. De toute façon, toujours l'avantage du côté du Nidoine. 5v2. Et Yuin qui a été cherché sur mes filles kill de Astra. Allez, Spooky qui commence. Et ça sent les petits trous arriver sur ce mur. Pas encore. Peut-être sa formation qui vient de tomber directement. Allez, Azerbeek. Ah, la manche parfaite. Du côté d'Inuan qui remporte deux manches. On voit que Azapé, pour cette défense qu'ils ont, très difficile pour aller faire tenir. Allez, faut pas lâcher prise. Hein. On va pas finir à 7-0. Hein. J'ai un sentiment. Vous en pensez quoi? Allez, on va partir sur ABP. Cuisine, salle à manger. Avec la copo de base du côté de AZP. Avec Castle, Puce, Frost, Kaïd et Mute. Et du côté de Nidoine avec Lion, As, Ash, Brava et Yana. Et on va démarrer sur cette manche 3. Allez, AZP, c'est le moment de vous réveiller. Au moins de remporter quelques manches. Pour essayer de revenir sur le score, faut pas lâcher prise. Allez, ça se met en position du côté de Azapé. On va voir comment c'est qui
vont dérouler. Peut-être qu'ils vont peut-être essayer de changer un peu le système de jeu du côté de cette défense. On voit que la Lituanie qui prend cet avantage pour cette attaque. Attention, hein, du côté de AZT, ils ont pris Frost. Alors attention de ne pas se prendre dedans, parce que des fois on regarde pas souvent par terre là où on marche. Allez, on va voir dans quel sens et quel côté qu'ils vont essayer d'attaquer. Pour justement, pour essayer de prendre ce BP de AZP. Très difficile pour eux. Là, à mon avis, ils vont peut-être attaquer en bas. Allez, on va aller voir du côté du Puyin qui a pris H. On va voir si cette opposition. Allez, ça commence à droner. Allez, Zolak. Essayez de voir dans cette information. Il avance dit très délicatement. Allez, bien la musicale juste derrière. Là. On se sent posé, je crois. Allez, ça va commencer à tourner. Allez. On va voir du côté du Pewin. Qui met un drone sur le côté de l'escalier. Pour essayer d'avoir cette information, si jamais si quelqu'un qui aurait remonté sur l'escalier. Sur le petit trou. Qui envoie cette information. Allez, il commence à tirer quelques balles pour justement pour les attirer. Il sait qu'il est là. Il sait qu'il est là, qu'il va essayer directement. Et il a pris quand même quelques balles H de cette position. De toute façon la petite mine. Très difficile, c'est compliqué d'attaquer par là directement. La formation sur le contact a été pris peut-être. Ah la petite tête, bien joué du Stico qui a été cherché son magnifique kill. Là on est passé en 5v4. Attention c'est 4v4 maintenant, c'est équitable équilibré. Le Frost vient de mourir. Allez 4v3, toujours l'avantage du côté. 3v3, ça tombe comme des mouches de chaque côté. 3v2, toujours l'avantage du côté de Niwan. Attention, ça balance la fumée. Ah la petite trip, la Ninoise qui remporte encore. On voit qu'ils ont difficulté du côté de AZP pour gérer leur défense. On voit que Nidoine qui prend cet avantage de cette manche, qu'on perçoit un score de 3-0. Et là on va partir sur un BP cuisine salle à manger du côté de AZP avec du Castle, Puce, Frost, Kaïd et Mute. C'est cette coupe de base de sa défense. Et du côté le Niwan qui prend du Yana. H, As, Alpha a découvert l'emplacement d'une bombe. Merci pour vos followers, hein, surtout prenez place. Hein. Et puis pas qu'on se retrouvera à 21h. Les deux teams. Opal s'affronte et à 22h ce sera la nuèche je crois et compte à un demande de scène pour finir cette soirée et après on se retrouvera dimanche au soir et lundi. Allez on est parti, on y va. Allez AZP, ils ont pas le choix. C'est de se réveiller, c'est maintenant, parce que là, le Niwan prend cet avantage quand même pour cette attaque 3-0. J'espère qu'ils vont pas mettre les 6 manches de cette attaque, parce que sinon ça va être... Allez, faut qu'on se réveille, on n'a pas le choix. Allez, si on peut arriver. Niwan qui arrive quand même bien gérer leurs attaques, efficacement. Elle est Pinouine avec H qui prend position, qui vient de péter sur justement la fenêtre. Si l'on voit de ça, on se directement. Il s'est tiré. Tête à l'envers, la 364. Ah, et là, le contact n'a pas été donné.
Allez, on est passé en 5v3. Peut-être à Zappé qui se réveille là, sur cette manche. Rien n'est joué. On peut toujours gagner. Allez, on se prend en position directement. Allez, ça drone. Faut essayer d'avoir cette information. Allez, ça attaque les deux, ça rentre sur le BP. Attention, le contact, il va peut-être le prendre. Ça fuck est là, on est passé en 4v3, peut-être. Là, on est toujours à 3v3. Attention, la petite trappe. Attention, le petit kick a été cherché. Spock kick assuré. Et non, c'est dommage. Il a fait quand même une bonne game. Une game sans s'engalper. Essayer de faire tomber 2 kills au moins. Attention, la petite grenade de côté de Solak. Et non, le grenade qui a pas pris contact directement. Allez, on est passé en 1v2, attention des côtés AZP qui sont très difficiles à gérer, surtout qu'ils sont au-dessus sur la trappe. On va voir comment ils vont gérer. Est-ce qu'il va faire le petit clutch 1v2 Alpha a repris son désamorceur. Pour essayer. Au moins, il n'y a pas eu cette information directement. Ça va être compliqué, ça sent la pause. Très difficile de voir là où on est. Voilà, la pause est posée. Là, il redescend. Il va peut-être essayer de chercher le kill, essayer de le faire tomber. Et non, la formation n'était pas été prise. C'est qu'il est là qui va être essayé. Et non, Solak qui a été chercher son magnifique kill. Et bien sûr, on perd sur un score de 4-0. Ah là là, j'ai un sentiment, j'espère qu'il n'ira pas à 7-0. Et des fois, je porte mauvaise chance à certains. La dernière fois, quand j'ai dit ça, c'était 7-0 direct. Allez, on va partir sur ABP Salak Kavavin Garage à Montenèche avec 7 copeaux du côté de AZP avec Jacker, Warden, Bandi, Azami, Smoke et du côté de la Nidwan avec Lyon, Ash et Brava. J'ai pas eu le temps de voir le dernier, c'est Lyon. Voilà. Phase de préparation, hein, ils vont essayer d'en positionner et tout hein, directement. On va aller voir les rapports des kills hein, comme vous pouvez voir. Hein. 4-0, allez, faut qu'on se réveille là à ZP, hein, c'est parce que la Nidwan prend cet avantage hein, sur cette attaque. Justement, il faut se réveiller. Allez, on va se mettre en position là, motoneige, et on va voir comment ça va se passer sur cette défense du côté de AZP. Très difficile hein, de tenir ce BP, c'est pas évident. Il y a Divan qui prend quand même cet avantage à 4 manches. Il reste encore devant une manche après. Ça fait du bien boire un coup là. Allez, on y va. On est parti. Ça va commencer à attaquer du côté d'Ivan. Allez, ça drone. On voit les informations. Ah, il y a un CFIPing. Il sait qu'il est là. CFIPing au moins 2 fois. Ils ont eu cette information. Et puis Win qui prend position. Et ça taille. On passe en KD4. Sur l'information, il dit non, peut-être mais j'ai le kill. Et Jacker qui va tomber. Bien joué de la part de Fuse. Allez, on est reparti en 4v4, c'est équitable, équilibré de chaque côté. Attention à la formation. Peut-être qu'il va chercher le kill. Bien joué Penguin qui a cherché ce magnifique kill. Deux bandits. Là on est passé en 4v3, attention, Fuse qui a un jet. Là on est passé toujours en 4v2. Ça va, il sera rapide. Ah, c'était dommage. Ah, c'est dommage de sauter comme ça. Allez, on est passé en 3v2. Étant donné que Penguin est blessé, peut-être qu'il va se faire ranimer par son collègue. C'est une petite tête, bien joué! Spooky qui a été chercher ce magnifique kill. Allez, Warden qui se retrouve tout seul, ça va être compliqué pour lui. 1v4, il reste toujours 1 minute 20. Allez, il y a Fuse qui balance. Allez, cette information, peut-être, qui va essayer de prendre contact. Ah, il y a 1v3. Ils savent qu'il est là. Il est cerclé. Allez, ça sera la pause du côté de Dinwan. Attention à la formation. Peut-être qu'il va essayer. Non. Il a quand même pris quelques balles.
va être compliqué, il est bloqué, il sait pas exactement où qu'ils sont. Peut-être qu'il va y chercher le kill. Et non, ça donne trop du côté de One. Là on a passé 1v2. Et Bwin qui a été chercher ce magnifique kill pour remporter cette manche. Et comme vous pouvez voir, on va partir sur un score de 5-0. Elle est zappée, ils ont pas le choix. Il faut essayer de faire la remontada. Allez, on est parti. On va partir sur un BP barre à salle de jeu du côté de AZP. Et là, on va partir sur cette copo avec du Frost, Azami, Wadme, Aruni. Isiko qui va t'en donner. Smoke. Et du côté de Niwan avec du Termite, Ash, Lyon et Yana. C'est la copo de base qu'ils ont l'habitude de prendre. Et on démarre sur cette dernière manche de cette attaque du côté de Niwan. On voit que AZP, ils ont très du mal à gérer leur défense. Allez, faut au moins remporter cette défense là, parce que sinon Niwan soit remporter ces 6 attaques, ça va être compliqué. Très difficile pour eux. Ah d'accord. Alpha doit trouver et désarmer une bombe. Merci. T'apprécies. Allez, on y va. Allez, on va aller voir du côté du Pwin qui va lancer son drone pour essayer d'avoir les informations nécessaires. Attention, AZP. Qui sont en train de mettre en position, au moins qui remporte cette manche. Et Pim qui rentre. Ça commence à droner. Il faut essayer de retirer les informations nécessaires. Allez, ça avance. L'information qui peut être touchée. Et non, l'information yellow. Le contact a été pris. Mais ça y est, c'est tombé. Et on est passé en 4v4. Et les Pwin qui se met en position. On essaie de prendre ce magnifique contact directement. Allez, ça avance tout doucement. Sans la protection. On va aller voir du côté de Spooky. Et puis son drone qui vient de se faire détruire. Il y a eu cette information. Il va essayer de prendre le contact. Peut-être 4v3. Et lui qui a été chercher encore ce kill. Ok, là. Là on est passé en 4v2. Du côté de AZP qui ont très du mal à gérer sa défense. Ça doit être quand même l'avantage du côté d'Yanadi One. Les assaillants ont localisé une bombe. Et les Florex qui avancent. La petite cam qui a été détruite. Allez, on va aller voir du côté Intra. Le petit Frost qui l'attend justement au-dessus de la trappe. Peut-être le contact qui va être pris. Le contact a bien été pris. Un truc a-t-il cherché ce kill envers Pwin. Là on est passé en 3v2. Toujours l'avantage du côté de la D1. Et les Siko qui essaie d'avoir cette information, qui l'attend. Allez Frost. L'information, le contact était bien passé. Là on est passé en 2v2. De toute façon, peut-être là qu'ils vont essayer au moins de remporter cette manche pour au moins mettre 1-1. Siko, ça dépend de cette information. Elle est fou, c'est toujours en position. Là, on est parti avec le Spooky. Spooky qui va dans une. Ah, oh, attention, le duel! Entre les deux, qui c'est qui va tomber des deux? Le Frost. Le Frost qui tombe sur cet défi. Ce duel qui était efficace de côté Niwan. Et comme vous pouvez voir, il y a un changement de rôle. On perd sur un score de 6-0. Manche décisif. Et on va partir sur ABP. Chambre principale, bureau du côté de Niwan. Et là on va partir
directement avec c'est chambre principale sur BP Bureau avec Smoke, Kaïd, Oryx, Mute et Jacker. Et du côté de AZP avec Yana, Buck, Nomad, Thatcher et As. Attention 6-0. Allez, on y croit. AZP, c'est le moment. Au moins. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos. Je vais mettre une manche. On va voir les rapports du kill de chaque équipe. Encore quelques secondes avant de lancer l'opération. De son manche décisif du côté de la Nidouane. AZP. Ils ont pas le choix de remporter cette manche. Surtout que c'est en BO1. Ça va extra rapide. Allez, ça va commencer à attaquer en haut. Position. On va voir comment. Ce contact qui va être pris. Allez. On y va, sa drone. Comme vous pouvez voir, ils sont tout en bas. Allez, on y va. Ils se mettent en position directement. La petite cam qui a été vue. Il n'a pas été détruit hein, de la part de AZP. Il y en a qui repasse sur la tête. Allez, ça va commencer à attaquer. Enfin, déjà perçu le trou sur le mur. Allez, on cherche ce contact. Attention, il y en a qui a pris une chance sur le coup là. Peut-être avoir la formation. Là, on est passé en 5v4. Pinguin qui a été chercher son magnifique kill. Qui va essayer de passer. Contact qui n'est pas pris. Attention, ça prend de tous les côtés. Là on est passé en 5v3, ça va avoir du mal. 4v3, toujours en position. 4v2. Très difficile. Ah, la petite tête qui s'est prise, c'est dommage. Attention, là ça va finir à 7-0. Compliqué du côté de AZP. Tout seul, ça va pas être évident. En plus, qu'il n'y a pas la bombe. Un V4, il y a peut-être moyen. Attention, il n'est pas passé. Très difficile. Je sais pas comment il va faire, justement. Surtout qu'il n'y a pas la bombe. Il reste toujours 36 secondes. Il y a la formation qui est très dure pour lui. Bombe localisée par Alpha. Allez, il y a toutes les informations nécessaires. Il va essayer de les faire tomber un par un. Contact est détruit. Oh non, c'est dommage. Il va essayer d'essayer de le choper. Ça prend qui a été chercher ce magnifique kill. Allez, 11 secondes, ça va être compliqué pour lui. En plus, oh, AV2. Et Zola qui a pris son contact. Et non, voilà, Spoonkin. Qui remporte ce duel et qui gagne 7-0. Ça fait très mal. Voilà, c'était vite. Très vite sur ce BO1. Sur cette manche. Alors. Voilà, c'est bon.